Alors les rouillas, comment ça va bien? À nous, je crois. C'est à vous que je parle. Alors les ourties, comment ça va? On est voilés? Quoi? C'est pour les femmes qui sont voilées, les ourties. Elles sont voilées? Merde, tu peux pas être ourtie sans être voilée? Tu déconnes. Bah, je crois pas. Bah, ça veut dire sœur. Toutes les sœurs, elles sont pas voilées. Oui. Ah, je connais pas très bien, tu sais, moi j'essaye de faire de l'humour linguistique. C'est pas, ça marche pas terrible alors. Bon allez, Véronique, tableau? Allez. T'étais pas passé encore? Non. Allez, c'est parti. Bonjour Véronique. Qu'est-ce que vous avez envie hier? Ah, c'est une bonne question ça. Du VLSM. Ouf. D'entrée. Allez. VLSM, c'est parti. C'est une façon de découper un réseau avec un nombre spécifique d'adresses. Mmh. Donc méthode de calcul. Que je comprendrai un jour. Ah! Elle n'a donc pas été comprise. Ah non. Non? Non. Bon. Je suis pas fromage. Ah. Ok. Ensuite, on a attaqué le DHCP. Ah! Sur paquet et sur Windows. Donc sur paquet traceur, l'avantage c'est que le DHCP est actif. Il faut quand même sur le serveur mettre une adresse IP fixe. Au niveau de Windows, il n'y a rien. Donc il faut tout construire. Donc au niveau de paquet traceur, le client envoie une demande au serveur, DHCP request, DHCP discover. Ensuite, le client reçoit l'offre et répond, donc DHCP offer. Le serveur répond, donc DHCP request. Et ensuite, le client. Donc finalise DHCP hack. S'il n'y a pas de reconnaissance, il y a une adresse qui se reconfigure à PIPA. 169.254.0.0. Donc au niveau de Windows, donc l'importance de mettre une adresse IP fixe et de renommer les postes. Donc on passe par le gestionnaire de serveur sur Windows. On définit un rôle et des fonctionnalités. Donc on se base sur le masque réseau pour être sûr de communiquer avec les bonnes personnes dans le bon réseau. Donc il faut que l'étendue soit active, sinon ça ne fonctionne pas. S'il y a une erreur au niveau des adresses, on fait un ipconfig release, ipconfig new, pour rafraîchir les adresses IP. Mmh.
sais plus. C'est déjà pas mal quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un a noté des erreurs? Peut-être les requêtes, c'est DHCP, request, DHCP, Dora. Ouais. Ce serait possible d'avoir une vraie phrase avec sujet, verbe, complément, un truc dans l'ordre. Peut-être. Est-ce que je ne les ai pas notées en fait, les requêtes hier. D'accord. Est-ce que c'est DHCP ou DHP? DHCP. Alors, elle commande toutes par DHCP déjà. Et c'est quoi le rapport avec Dora? Non, non, rien. C'était moi pour essayer de m'en souvenir. Oui. C'est le moyen. Mais il y a un rapport avec Dora, donc. En tout cas, t'as dû écouter que d'une oreille, toi au moins t'as écouté, déjà je te remercie parce qu'apparemment tout le reste adore, ils s'en foutent, ils font autre chose, ils checkent leur mail, je sais pas ce qu'ils font. Donc oui, il y a un petit souci dans les quatre requêtes, Dora c'est Discover, Offer, Request, Hack. Et dans l'ordre, c'est le client qu'envoie vers le serveur le Discover, le serveur répond avec le Offer, le client renvoie un Request, le serveur envoie au client le hack. Dans l'ordre, t'avais inversé le sens. Tu as dit que c'était le client qui envoie le hack, c'est le serveur. Voilà. Très bien. C'était bien. Vous avez noté autre chose? Non, ça va? Petite question subsidiaire. C'est quoi comme type de trame, les quatre trames entre le client et le serveur DHCP? C'est un type spécifique de trame. Les paquets, ils sont envoyés... De quelle façon? Par quelle méthode? Je ne sais pas. Levez la main ceux qui savent. La moitié. Aussi pas mal quand même. Ça commence par broad et ça finit par cast. Le broadcast. Voilà, c'est quatre broadcasts qui passent entre les deux. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Véronique, elle a pour y répondre. Alors, est-ce que tu peux me réexpliquer le VLSM si vous n'avez pas compris non plus? Moi aussi, j'ai rien. T'as rien compris au VLSM? Oui. Moi, je crois avoir compris théoriquement c'est quoi le VLSM. Oui. Mais j'arrive pas à me visualiser ça d'une manière logique. D'accord. Et pourtant, j'ai assimilé le truc. Hein, Ouais. À ce que j'ai compris, moi, c'est que sur un masque de sous-réseau, oui. on rajoute un bit dans l'octet, mm-hmm. ça divise par deux. Le nombre de possibles, le camembert, là, enfin, l'IP, quoi. Ouais. Et plus on rajoute de bits, enfin, de bits dans l'octet, oui. plus on divise par deux. Ce qui est contrairement, quand on en a enlevé, ben ça. C'est exactement ça. Mais moi, ce que j'arrive pas à me visualiser, c'est que, exemple, il y a une adresse IP 192.172.39. Quelque chose. Cette adresse-là, si on met un masque de sous-réseau, oui. 255.255.255.240. Mm-hmm. Ce que j'avais pas à me visualiser, c'est sur un réseau privé, sur un réseau public. Ça n'a aucune différence. Peu importe. Que tu sois sur un réseau public, ça change absolument rien. C'est la même technique. C'est la même technique. Dans tous les cas, l'objectif du VLSM, c'est créer une plage d'adresses IP qui peuvent communiquer ensemble. Hein, c'est ça l'idée. La plus petite possible. Voilà. C'est l'objectif du VLSM. Utilisable sur des réseaux public et sur des réseaux privés, c'est pareil. La logique, le fonctionnement, l'objectif, c'est le même. Ça ne change rien. Peu importe les chiffres que tu mets dans les octets, ça n'a aucune importance. Le PC, quand on l'a configuré, il a une adresse IP fixe. Alors, le PC, tu parles duquel? Alors ça dépend, là tu dis en théorie comme ça, ou tu parles dans les maquettes qu'on a fait hier? Sur Cisco. Sur Cisco, mais les maquettes qu'on a fait hier. Oui. Et les clients, tu parles des PC, oui. pas du serveur. Non, des PC. Bah les PC, ils n'ont pas d'IP fixe déjà. Tous les clients, ils sont en client DHCP depuis hier. Ils ont des adresses dynamiques. Et DHCP, c'est pas statique? Alors, il faut être plus précis. Le serveur DHCP, il a une adresse IP fixe. Les clients DHCP, tu sais pas à l'avance l'adresse IP qu'ils vont avoir. Mais une fois qu'ils l'ont, ils l'ont. Ça dépend. S'ils renouvellent tout le temps le bail. Voilà, mais tu vois, il faut finir les phrases. Oui, donc, tu as raison. S'ils renouvellent tout le temps le bail,
Mais comme ta phrase commence par un « si », c'est pas sûr qu'ils auraient tout le temps la même. Dans une éventualité où une personne se connecte tous les jours au bureau pendant un an, il aura tout le temps la même adresse IP. Oui. Je voulais juste savoir ce qui se passait si cette personne-là allait sur Internet. Son adresse IP, ça reste la même ou elle a une adresse IP pour... Ah bah non, mais tant qu'il a démarré. Et tant que son bail est valide, il conserve la même adresse IP. Bien sûr, il ne change pas d'adresse IP, non. Mais pas sur Internet. Internet, on verra plus tard. On verra plus tard. Vous prenez pas la tête avec Internet. Mais oui, il conserve la même adresse IP tout le temps. Ok. Celle-là, elle ne change pas. Merci Véronique. Merci. Bravo. Qu'est-ce que je vais faire? Je retente le VLSM ou on le garde pour plus tard? Plus tard. Ça va. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Voilà. Non, mais comme là, il y en a la moitié. Qui a compris le VLSM? Levez la main. Compris le fonctionnement. Ouais, j'ai compris le fonctionnement. J'ai compris comment ça fonctionne, mais l'appliquer, j'ai du mal. En cours, j'avais appris avec un système en binaire que j'ai retrouvé sur Internet. Non mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait qu'une seule méthode. Non, je sais bien. Je pensais même une autre là pour réexpliquer ça différemment. C'est parce que il y en a plein. C'est comme les conversions binaires décimales. Oui, oui. Moi, j'utilise le tableau avec l'addition. Oui, oui. Il y en a qui font la soustraction, l'autre qui utilise des divisions. Tous les chemins mènent au Rome, hein. Chacun sa méthode. Hein. J'ai vu ça hier, une méthode comme ça. C'est celle-là. L'arbre. Où on met un bit, on décale d'un bit à droite à chaque fois. C'est exactement ce que je vous ai dit hier. Oui. Excuse-moi. Je ne visualisais pas. Ah, c'est vrai que passer de slash 24 à slash 25. Non, j'aurais dû mettre les 1. Non, mais. Rajouter des 1. C'est vrai. C'est la même chose, sauf que celle-là, cette méthode, c'est l'arborescence. Oui. C'est-à-dire que tu pars d'un numéro 2, tu en fais 2, puis chacun t'en fait 4. Oui. Je la faisais horizontalement. C'est une autre méthode, celle-là. Et c'est la même que le camembert, c'est la même que la première ligne que j'avais écrite. C'est la même chose. C'est ça. C'est toujours la même méthode. On ajoute un bit à chaque fois dans le masque. Et à chaque fois qu'on ajoute un bit dans le masque, on divise par 2. Alors on pourrait même imaginer le contraire. On met tous les bits à 1, et à chaque fois que tu mets un bit à 0, tu multiplies par 2. Oui. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ce qu'on faisait, non? C'est ce qu'on avait fait. On peut le faire comme ça aussi, oui. C'est ce que je faisais au début. Oui. Pour vous, quand on est passé de 255 à 254, oui. On enlevait un bit et on multipliait par 2 le nombre d'adresses IP. Ça marche aussi dans ce sens-là. Donc peut-être pour plus tard, hein, j'ai senti que Véronique, elle était... Non! Plus tard! Elle a dit qu'elle était... Elle? Elle aime pas les camemberts. Non, mais je ferai l'arbre. Moi, j'adore les arbres. J'ai des bonsaïs chez moi, donc moi, j'adore les arbres. On fera des petites branches, on t'instaura autrement. Bon, à part le VLSM, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le DHCP, ça allait? Fonctionnaire test? Zergoot? Christophe? Oui. Moi, j'ai essayé de faire ça chez moi. Oui. Sur Hyper-V, avec un serveur DHCP. Et du client, mais quand je veux configurer la carte réseau, j'ai pas le switch comme ici, là, PAB 01. J'ai un switch LAN par défaut, et je sais pas si c'est à cause de ça que ça marche pas ou j'arrivais pas à déconnecter. Quand t'allais dans paramètres, pas le choix. Alors je vais te montrer un petit truc vite fait. Alors c'était pas prévu, mais bon, effectivement, s'il y en a qui ont Hyper-V à la maison, t'as le même interface, tu as le gestionnaire Hyper-V. Oui, faut que t'ailles à droite ici, là. Tu sais, dans tous les menus, oui. Il y en a un qui s'appelle le gestionnaire de commutateurs virtuels, qui sert à gérer les V-switch. Quand tu cliques dessus, toi, tu ne dois pas avoir tout ça. Non. Mais tu dois avoir ça. Moi, j'ai défaut switch, c'est tout. Oui, mais tu dois avoir ça. Nouveau commutateur virtuel. Tu peux le créer. Et là, tu as le choix entre externe, interne et privé. Tu prends privé. Alors, je vais le faire. Nouveau commutateur virtuel, tu prends privé. Tu fais créer un nouveau commutateur, tu as le bouton là. Ouais. Tiens, je te le zoome. Allez. Pour ceux qui ont Hyper-V à la maison, si vous voulez faire comme ici et avoir plein de V-switch, vous allez dans gestionnaire de commutateur virtuel, nouveau commutateur virtuel, vous choisissez privé et vous pouvez cliquer sur créer le commutateur virtuel. Donc je clique sur créer le commutateur virtuel. Il y en a un de plus. Hop. Il s'appelle nouveau commutateur virtuel. Son nom est là. Il est du type réseau privé, c'est parfait.
faut lui donner un autre nom. Donc, à la maison, je t'invite à l'appeler vswitch-priv01. Si tu veux avoir les mêmes maquettes que nous. Bon, moi, je peux pas le faire là, parce que j'ai déjà. J'ai un privé 01, j'ai un privé 02, j'ai un privé 03. J'ai un... Bah, allez, je suis un déglingo. Privé 05. Ha ! Vous êtes calmés, hein. Et là, hop. Et je fais OK. Et évidemment, qu'est-ce que ça va donner si je vais sur mon paramètre de ma VM, dans ma carte réseau maintenant dans la liste, j'ai un nouveau switch privé qui s'appelle vswitch privé 05. Nickel, tout simplement. Donc effectivement, il faudrait que tu crées des vswitch privés, tu connectes toutes tes VM sur le même vswitch. Parce que le default, il est spécial sur. Oui. Oui, GG. Hyper-V, parce que du coup, je fais aussi à la maison. J'ai recréé des modèles du coup 6PP. Mm-hmm. Et hier, en voulant du coup créer, j'ai créé deux clients et un serveur. Mm-hmm. Et j'ai pas copié en fait les modèles. Comme tu nous l'as dit, c'est dans les dossiers. J'ai pris directement les modèles. Est-ce que ça a une incidence? J'ai pas créé les modèles, j'ai pris directement les modèles. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il veut dire? Qu'il n'a pas sauvegardé les modèles. J'ai pas fait une copie du modèle dans le dossier Hyper-V comme on fait ici. Ah, je vais tenter. Donc tu as créé un nouvel ordinateur virtuel, ouais. Mais dans l'assistant création, quand il faut utiliser un VHDX existant, ouais. Tu es allé sélectionner celui qui est dans le dossier modèle. Ouais. Bah, tu as flingué tes modèles. Ouais. Ton modèle il est mort. On part sur un décès. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des procédures et si tu ne fais pas l'étape numéro 1, bah c'est la merde. T'as fait quoi ? T'as pris quel modèle ? T'as pas pris le modèle, t'as pris le... Si. Non, ce qu'il a fait quand il a créé son ordinateur virtuel, oui. Au lieu d'utiliser la copie du fichier modèle qui est censé être dans SRVXY01, ouais. Il est allé utiliser le fichier qui est dans le dossier modèle. Ah, ce qui fait quand sa VM a démarré, le modèle a démarré, 6PREP s'est lancé, c'est mort. Tu peux plus, par exemple, te dire, on part sur ton serveur 1 que tu as fait, qui utilise le disque dur qui est dans le dossier modèle, et tu dis, oh mince, c'est vrai, j'ai oublié la procédure, je fais un deuxième serveur. Et cette fois, tu dis, je vais copier le disque dur du modèle, c'est fini, c'est mort. Tu peux pas le copier, il est utilisé par une VM. C'est foutu. Alors, c'est pas complètement foutu, tu peux t'en sortir sans tout refaire. Donc, tu as une machine virtuelle qui utilise comme disque dur le fichier qui est dans le dossier modèle. On en est là. Ouais. Sur cette VM, tu as fait quoi? Elle a démarré et après Du coup, c'est mon serveur et j'ai fait exactement ce qu'on a fait hier. Il est DHCP, etc. Ouais. Ah, ça craint. Ça craint. Ça craint, par exemple. Parce que ce que je t'aurais dit de faire, c'est imagine, tu l'as juste démarré, ouais. Tu t'es rendu compte de ta boulette. Ouais. C'est pas grave. Dans ton serveur 1, s'il s'appelle serveur 1, je suppose, peu importe, tu relances 6PREP en fait. Tu relances 6PREP et tu l'arrêtes. Ok. Par contre, et ce serveur 1, tu le supprimes. Par contre, je peux le faire dans le client, parce que le client, j'ai rien fait dessus. Bah, tu vois, donc tu pourras refaire ton client. Le problème maintenant, c'est si tu fais ça, ton serveur 1, tu le 6PREP, ouais. Tu l'arrêtes, c'est super. Dans ton modèle, il y a un serveur DHCP. Parce que tu as installé le rôle serveur DHCP. Ouais. Et bien, il sera dans le modèle. Ce qui fait que si tu le copies plein de fois, tu crées 3 serveurs, tu as 3 serveurs DHCP. C'est la merde! Faut pas faire ça. Donc si tu veux tenter le diable, je te le déconseille mais tu peux le faire, sur ton serveur, tu enlèves le rôle serveur DHCP. Ouais. On l'a ajouté, le rôle serveur DHCP. Ouais. Vous vous souvenez, comme on a fait dans le gestionnaire de serveur, on a cliqué sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ouais. Juste en dessous, il y a écrit supprimer des rôles et des fonctionnalités. Bon bah tu fais supprimer des rôles et des fonctionnalités, tu décoches DHCP. Et t'espères qu'il reste pas trop de merde. Okay. Et là, après, 6PREP, généraliser, arrêter le système, et tu supprimes ton serveur 1, ce qui fait que dans ton disque dur qui est dans ton dossier modèle, il y aura un Windows 6PREP. Ouais. Sinon, si tu veux pas prendre le risque, ISO, boot, réinstalle. Et on recommence. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Mmh. Tu refais ton modèle. Ça arrive. Et autre question. Oui. Est-ce que je peux, parce que chez moi j'ai pas ni Word ni Excel, est-ce que je peux les installer à partir du ISO qu'on a ici? Oui, ce sera une version d'évaluation. Okay.
elle marche 90 jours. Donc tu fais les gros fils. Oui, alors tu veux vraiment travailler, tu lui installes Microsoft Office. C'est payant du coup. Oui, c'est pas cher. Ça vaut 5 euros. Hein. Il y a des licences que tu trouves sur GOG, il y a plein de sites où tu peux avoir des licences vraiment pas chères. Non, mais c'est des licences avec un compte déjà. Et il faut avoir, on ne peut pas utiliser son propre compte Microsoft, c'est livré, c'est licence activée sur un compte. D'accord. Trouve une solution. Cherche, demande à ChatGPT. Sinon, c'est 40 balles. Voilà. Tu nous as pas mis le timer. Ah si, je l'ai mis, mais il s'était caché. Il s'était caché derrière. Alors, hop, je l'avais pas mis toujours. Bah oui, tu vois, parce que j'ai pas cliqué sur. Toujours au premier plan. La boulette. Non, mais je fais de la merde, hein, faut pas se mentir. D'autres questions? Allez. Donc, on était parti d'ici. Nous avions un réseau ici, hier, hein, si je ne m'abuse. Hop. On avait un réseau là. Et puis on avait un autre réseau là. Tout était bien fonctionnel, tout ce petit monde récupérait des adresses IP. On a deux serveurs DHCP qui est très bien. Que va-t-il se passer si je fais ça? Sa mère l'IP aux piètes. Alors, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? On a relié des switches. Super. Mais question, est-ce que le serveur 1 peut pinguer le serveur 2? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut passer le switch en... Ils n'ont pas le même numéro de réseau. Merci. Règle TCP/IP numéro 1, pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent être dans le même... numéro de réseau. Est-ce que le serveur 1 et le serveur 2 sont dans le même numéro de réseau? Non. Non. Donc, ils ne communiqueront jamais. On va prendre l'exemple et se dire que le réseau de gauche, c'est une première entreprise. Le réseau de droite, c'est une autre entreprise. Et bien sûr, les entreprises ont fusionné. Il faut que les réseaux communiquent ensemble. La problématique est évidente. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, solution numéro 1... de merde, une des deux va devoir changer toutes ses adresses IP. Évidemment, chaque entreprise a 72 000 ordinateurs. C'est long. Faisable, mais c'est long. Donc, nous allons mettre en place dans notre réseau un nouvel appareil, je sais celui-là, qu'on appelle un routeur. Entre les deux réseaux, nous allons brancher un magnifique appareil, qu'il est bien, qu'il est beau, qu'on appelle un routeur. Et donc la question sera, à quoi ça sert un routeur? Eh bien ça sert à ça. Ça sert à faire communiquer des numéros de réseau différents. C'est ça le travail du routeur. Vous avez un réseau qui a un numéro de réseau. Vous avez un autre réseau qui a un autre numéro de réseau. Si vous voulez que ça communique entre les deux, dans votre réseau, il vous faut un routeur. C'est ça l'objectif du routeur. C'est permettre à des ordinateurs qui sont dans un numéro de réseau de communiquer avec des ordinateurs qui sont dans un autre numéro de réseau. C'est à ça qu'il sert. Donc si tout le monde a le même numéro de réseau, les routeurs ne servent à rien. Si vos ordinateurs ont des numéros de réseau différents, il nous faut des routeurs.
Lorsque vous verrez donc apparaître... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Eh oui, parce que c'est vrai qu'il fait ça. Excusez-moi. Lorsque vous verrez apparaître les mots... Router. Enfin, pardon. Router. Passerelle. Gateway. Ou router, et ben c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Router, passerelle, gateway, router, c'est le même appareil. C'est des façons différentes d'appeler le même truc. On dit l'adresse de passerelle. C'est l'adresse d'un router. Oui. Cette phrase-là, je pourrais dire, pourrais-tu me donner l'adresse de la passerelle, s'il te plaît? Pourrais-tu me donner l'adresse du routeur, s'il te plaît? Pourrais-tu me donner l'adresse de la gateway, ouais, s'il te plaît? Ah bon, comme c'est un mot anglais, il n'a pas de genre. Oui. C'est the gateway, mais bon, on dit le. On dit pas le gateway, je crois, on dit plutôt la gateway. Je sais pas pourquoi on l'a féminisé, vu que c'est un routeur, mais enfin, on dit plutôt la gateway. Ou, alors c'est cocasse, hein, parce que bien sûr, en français, on dit routeur, et en anglais, on dit router. Il y a juste un U en plus, quoi, c'est router. Oh. You need a router? Oh, you mean a gateway? Non, je veux une passerelle. Oh, you need to configure the passerelle. No, you mean the gateway? Yes, I need it. Ah ouais, je suis totally fluent in English. Hein. De fou. Surtout que my accent is beautiful. T'as appris? Pardon. À ta place, dans la session d'avant, il y avait un ancien prof d'anglais. Il y avait les oreilles qui saignaient. Chaque fois que je parlais, il était en dépression. Du coup, tu faisais exprès? Pas du tout. Non. Alors là, c'est pas mon genre. Tu m'as déjà fait quand même le portugais qui parle anglais, quand même. J'ai réussi à faire ça? Oui, hier. Non, mais hier, j'étais bourré, c'était pas pareil. Je peux pas le refaire. Je peux pas le refaire, j'ai plus d'Armagnac, là. J'ai plus d'Armagnac, ça va pas, là. C'était Inception. C'était... Pas loin, hein. Ah, mais ça, c'est le VLSM. Le VLSM, ça fait des... Il y a des séquelles. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux la dire plus haut, s'il te plaît, cette phrase? Le routeur sert à permettre à deux réseaux différents de communiquer. C'est faux. Pas différent. Oh, je vais le dire plus fort. Il a dit, le routeur, ça sert à deux réseaux différents de communiquer. Non, mais c'était pour éviter. Voilà, voilà. Il faut que dans ta phrase, il y ait numéro de réseau. C'est à ce moment-là, vous voyez, dire le mot réseau, c'est insuffisant. C'est quoi de réseau? Regardez. Au début, avant que je mette le routeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un réseau à gauche sur un switch. J'avais un réseau à droite sur un switch. J'ai mis un câble réseau entre les deux. J'ai donc permis à deux réseaux de communiquer ensemble. Deux réseaux physiques. À deux switches de communiquer ensemble. Pour autant, le serveur 1 et le serveur 2 ne pouvaient toujours pas communiquer. Donc vraiment, la vraie phrase, le routeur, ça permet à deux numéros de réseau de communiquer ensemble. D'ailleurs, ils pourraient mettre sur le même réseau physique, c'est pas grave. Il faut que les ordinateurs soient dans des numéros de réseau différents. C'est ça son boulot. Donc, dans la définition, il faut que vous ayez écrit numéro de réseau. Oui, qui m'appelle? C'est moi. De parler de toi. Bonjour Christophe, enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est la seule manière pour que deux réseaux différents avec un numéro de réseau différent communiquent ensemble? Dans l'état actuel de mes connaissances, oui. Okay. C'est la seule solution. Il faut un routeur. You need a router. You need the passerelle. You need it. Il y a peut-être autre chose, mais alors là... Moi, je connais pas. Tu sais, moi, je sais qu'une seule chose, hein, c'est que je ne sais rien. Peut-être en demandant à ChatGPT. Faudrait que j'arrête de dire ChatGPT là. Peut-être en demandant à Copilot. Copilot, il va te dire oui. On utilise des routeurs habituellement, mais il y a un nouveau truc qui est sorti qui permet de le faire aussi. Sinon, t'es obligé de tout modifier à la limite. Oui. Changer, oui, exactement. Changer le plan d'adressage et mettre tout le monde dans le même numéro de réseau, c'est une solution qui évite les routeurs. Mais... Autant dire qu'il y a des routeurs partout. Hein. Dans toutes les boîtes, il y a des routeurs.
Parce que ça voudrait dire que tu devrais changer dans les deux aussi, potentiellement. Parce que si, oui, admettons, ils ont des IP limitées, qu'il a... Enfin... Oui, c'est... Non, mais c'est le merdier, faut pas se mentir. On est sur une solution qui est théoriquement réalisable. Bon, t'es dans ce cas-là, t'as 6 ordinateurs, ça va. On peut s'arranger sans routeur. T'en as 6000, ouais, on oublie, enfin même t'en as 60, laisse tomber, hein, c'est, on met des routeurs tout le temps. Hein. Surtout que ça va être très facile à faire. Alors, vous avez remarqué, si vous avez fait comme moi, vous avez mis le routeur, c'est rouge, parce que par défaut, sur les routeurs Cisco, alors je vais cliquer dessus, sur le routeur, vous allez aller dans l'onglet config, c'est là qu'on met les cartes réseau. Vous allez voir que si je sélectionne ma première carte réseau, alors je vais tout vous afficher, voilà. Pourquoi vous avez donc ces triangles rouges ici? Parce que là je suis dans l'onglet config, comme on l'a fait à chaque fois dans Packet Tracer. Hein. Je vais aller dans interface et je prends une carte réseau. Oui, les routeurs ont plusieurs cartes réseau. Elle n'est pas on. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les triangles rouges. Les cartes réseau des routeurs dans Packet Tracer, j'insiste, elles sont désactivées. Elles sont sur off par défaut. Donc c'est pour ça que vous avez les triangles rouges. Bien évidemment, il va falloir la mettre sur on si vous voulez qu'elle fonctionne. Et donc, c'est extrêmement important. Les routeurs, est-ce qu'ils utilisent TCP/IP? Oui. Est-ce qu'il leur faut une adresse IP? Oui. Comme tous les appareils qui utilisent TCP/IP. Alors attention, accrochez-vous à vos slips. Mon routeur, il a plusieurs cartes réseau. Donc il va lui falloir plusieurs adresses IP. Sur chaque carte réseau que j'utilise, il lui faut une adresse IP. Donc, elle est dans... fixe. Alors, ça c'est une très bonne question. Elle est fixe ou elle est dynamique? Alors, si on dit dynamique, elle peut changer. Oui. Un des synonymes du mot routeur, j'ai dit, c'était passerelle. Est-ce que vous voyez ce que c'est une vraie passerelle? Donnez-moi un exemple dans la vraie vie, hein. Je vous parle physiquement. Une passerelle, vous mettriez ça entre quoi et quoi? Entre deux rives. Un genre de pont, pour accéder à un bateau, il y a une passerelle. Bon, si vous pensez qu'elle peut bouger, la passerelle, elle peut se déplacer, aujourd'hui elle est là, ah ben non, demain elle est là-bas, la passerelle, elle s'est déplacée. Alors, c'est faisable, c'est une très mauvaise idée. Les routeurs comme les serveurs, ils ont des adresses IP fixes. Parce que comme on va passer par eux, leur objectif c'est d'atteindre un autre numéro de réseau, faut pas que ça bouge. Donc effectivement, il va falloir mettre une adresse IP fixe sur les cartes réseau de vos routeurs. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu. On va parler de la carte réseau que j'ai sélectionnée là. C'est celle qui est branchée sur mon réseau de gauche. Première règle TCP/IP, c'est quoi? Mauvaise réponse. Bon. Eh oui, c'est la première question. Même numéro de réseau. Ça veut dire que l'adresse IP que je vais mettre ici doit être dans le même numéro de réseau que tous les ordinateurs qui sont à gauche. Donc ça doit ressembler à quoi? C'est-à-dire, c'est combien? Donnez-moi le début. X. Pardon. Maintenant, deuxième règle TCP/IP, c'est quoi? Adresse aux différentes. Ça veut dire que là, si j'écris ça, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà pris. C'est l'adresse du serveur, ça. Donc là, joli conflit d'adresse IP entre le serveur et le routeur, mauvaise idée. Si je fais ça... C'est le PC. Ah oui, potentiellement, celle-là, elle est dans l'étendue DHCP. Donc j'ai peut-être, alors c'est pas toujours sûr, hein, mais celle-là, elle est prise, potentiellement. La 102, la 103, etc. Ça veut dire que quand vous devez mettre des adresses IP fixes, d'ailleurs, sur quoi que ce soit, avant, j'analyse, je lis le plan, je réfléchis, je mets pas un truc au hasard. Il y a des habitudes. Il n'y a aucune obligation technique pour l'adresse IP d'un routeur. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, n'importe laquelle, du moment qu'elle respecte les deux règles TCP/IP. Habituellement, les routeurs, soit c'est la première adresse IP de votre plage, bon bah là déjà c'est mort parce que c'est le serveur, soit c'est la dernière. C'est uniquement une habitude.
Moi qui suis psychorigide, j'aime bien utiliser la dernière adresse IP possible. Mais parce que j'aime bien, hein. Dans votre vie professionnelle, vous croiserez des gens qui disent « Moi, j'aime bien mettre celle du milieu. Moi, j'aime bien mettre la première. J'aime bien mettre la dernière. Ça commence par 200. Tous nos routeurs, c'est 200 quelque chose. C'est, peu importe. C'est juste une habitude. C'est une logique de fonctionnement individuelle. Donc, comme je sais que vous êtes tous des lèches-culs, vous allez mettre comme adresse IP la dernière adresse IP utilisable, évidemment. Hein. Ne me mettez pas le broadcast partiel, ça va pas marcher. Hein. Bien sûr. On va mettre comme adresse de routeur la dernière adresse IP utilisable du réseau, donc là, de gauche. Donc ce serait combien ? Ici. Point 200. Point 200 ? Non. Non. Ah, contre-proposition ? Moi, j'aurais dit 198. Hop, 198. 200, 198, alors ? Team Olivier, Team Alain ? Vous avez choisi ? Et il y a d'autres contre-propositions ? Selon Silence BA est très rassurant. 254. Ah, troisième proposition, 254. Alors, 198, 200, 254. 199, allez hop, on y va. Bon, tout ça, c'est au doigt mouillé ? Bon, bah, je vais être obligé de le faire. Est-ce que... Dans le numéro de réseau qui est à gauche, vous pouvez me donner le numéro de réseau, la première adresse IP, le broadcast partiel, la dernière adresse IP. Oh, pourquoi je me suis fait chier à vous apprendre tout ça ? Bah parce que vous en avez besoin maintenant. Allez, c'est reparti. Faites ce que vous voulez, la méthode du trait, la division, les additions, ce que vous voulez. Allez. Au boulox. Pardon ? Le stylo. Le... Donc ta question c'est le stylo point d'interrogation. Non, t'as pas de stylo pour l'instant. Ah, est-ce que j'ai... Oh, si, si, bien sûr. Ah, parce que tu sais, moi, je lis toujours pas les pensées, hein. Si ta question mais c'est dit, non, le stylo. Dit, mais tu m'as pas entendu. Ah, la phrase entière c'était est-ce que tu veux un stylo s'il te plaît ? Oui. Et moi j'ai entendu que le stylo. Oui. Ah ouais, mais ça c'est parce que je suis moitié sourd. Bah, oui. Alors je sais pas si toutes les couleurs fonctionnent. Non mais. Au moins le bleu. Je pense que le bleu c'est. Je suis quasiment sûr qu'il fonctionne. Quasi. Quasi. J'ai oublié la question mystère, Véro, ce matin. Mm-mm. Non, si. C'était pas le broadcast, la question. Non. Oui. Bah non, c'était dans le sujet. Bah, non, le broadcast, c'était dans le DHCP d'hier. C'était dans la leçon. Ouais. Non, non, la question mystère, c'était sur... Non, bah toi, Word et Excel, je t'aurais pas posé de questions sur Word et Excel. Trop face. Alors, quelles sont vos propositions ? Donc, on a dit... Bon, je vais faire X. Hop, c'était... 4, hop. Donc, numéro de réseau. Première adresse. Broadcast partiel. Dernière adresse. Et bien sûr, nombre d'adresses IP. Donc, alors. Ouais, comme tu dis. Oui, le GG, t'as une proposition ? Non ? Thank you.
Hein? Toujours personne? Si, position. Ah, alors c'est parti, Manu, proposition? Numéro de réseau. Numéro de réseau. 192.168.x, du coup. Du coup. 1.0. Ouais. Première adresse IP. 192.168.x.1. Broadcast 192.168.x.255. La dernière, 192.168.14.254. 14 14 Enfin, 14, c'est mon X en fait. D'accord, donc X. Désolé. .254. Et le nombre de possibilités, j'ai mis 126, de puissance 8 ou moins 2. Pardon ? Je t'ai entendu dire 256. Non, 126. 126, pardon. 2 puissance 8 moins 2, ça fait donc 124. Parce que 2 puissance 8, ça fait 126. Ah oui, non, 126, pardon. Est-ce qu'il y a des contre-propositions ? Oui ? Sur le nombre de d'adresses IP, c'est tout. Oui, ah, contre-proposition. Ouais, attends, parce que du coup, ça fait 240, 256, moins 2, 254. Et les autres ? Je trouvais pareil que lui. Pareil. Ouais. Moi aussi. Team Manu. Pareil. Pareil. À part pour les, oui. Ah, t'es le L. T'es avec le L. Ouais, ouais. Le L, il est là, hein. Il a trouvé combien, Yami ? En 254. C'est 254. Salut, Dan. Que quelqu'un n'a pas trouvé le même résultat. T'en es où dans les calculs ? J'avais juste le numéro de réseau. D'accord. 253 ? Ça, il faut que ce soit calculé rapidement. Surtout avec ce masque de sous-réseau. C'est des masques ultra faciles, ça. Ils sont hyper simples. 3 octets, les 3 premiers, tout est à 1. Il n'y a que le dernier octet où tout est à 0. Donc, il va falloir le faire et le refaire et le refaire parce que vous en aurez au titre. Et voilà, moi je vous pose cette question-là. C'était pour mon routeur, je voudrais utiliser la dernière adresse IP possible de cette plage d'adresse IP. La réponse est donc... Mauvaise réponse. C'est encadré en gros, en rouge, en énorme. 192.168.x.254. Pas 253, non. Donc le fait d'utiliser la dernière adresse IP, pourquoi ? Moi j'utilise celle-là. Parce qu'il y a peu de chances qu'elle soit prise par le DHCP. Comme c'est la toute dernière possible. C'est-à-dire que mon DHCP, il est full, quoi. Il a tout donné, on n'a plus rien. On est dans la mouise, déjà à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser les dernières. Il y en a d'autres, comme je vous dis, ils font à l'envers. Ils vont dire, le DHCP, lui, il commence à 100. Avant l'adresse 100, c'est réservé pour les serveurs, pour les routeurs, pour tout ce qu'on veut. Et le routeur, ils vont mettre l'adresse .24. Comme ça. Bon. Chacun fait comme il veut. Faut juste respecter les deux premières règles TCP/IP, même numéro de réseau et pas de conflit d'adresse IP avec autre chose. Donc revenons à notre routeur. Donc dans mon routeur, je mets sur on la carte réseau et comme adresse IP, je mets donc 198. Alors attention, mon X à moi c'est 29.254. Et alors je vais retourner sur le plan. Voilà. Hop. Donc le fait d'avoir coché le on, voilà. J'ai coché le on sur ma carte réseau, hop, ça a changé, le triangle est passé en vert, il y a le orange du spanning tree qui se lance comme d'habitude, hein. Et d'ici quelques instants, je vais avoir mes deux triangles verts, ça y est, j'aurai configuré la première carte réseau de mon routeur.
253 là. Et non, Louis-Jérôme, parce que de 0 à 255, il y a 256 possibilités. Donc c'est 256 moins 2. Moi, je suis perdu. Très bien. Alors, en fait, si ça peut t'aider, ici, c'est pareil. Ah oui. Comme ça, tu sais où t'es. Je suis perdu parce que... Je te remercie parce que celle-là, je la gardais exprès pour aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un soit perdu. Alors, what's the question? Je pense que tournez à gauche. Je me mélange entre la plage qu'on peut utiliser mm-hmm. pour les ordinateurs. Oui. Et le fait qu'on ne doit pas utiliser ni la première ni la dernière. D'accord. Pour le broadcast partiel et pour le numéro de réseau. Oui. Et donc, du coup, et le routeur, du coup, lui, il n'est pas sur cette plage-là. Bien sûr que si, il est sur cette plage. Ben oui, mais du c'est coup, obligatoire. 254, ça sort d'où? Enfin, le? Parce que du coup, ça voudrait dire que... Excuse-moi, j'ai pas entendu quand t'as dit le truc, ça sort d'où? Qu'est-ce qui sort d'où? Le 254. Le 254. Je l'ai fait le calcul, mais donc, le truc c'est que dans les 101 et 200, c'est pas, il n'y a pas 254. C'est exact, il n'y a pas 254. 101 à 200, c'est quoi? Par rapport à l'exercice, hein, ce qu'on est en train de faire. Mmh. Ça représente quoi, de 101 à 200? C'est l'étendue sur laquelle les PC ils peuvent avoir leur adresse IP. Plus précisément, c'est l'étendue des adresses IP fournies par le DHCP. C'est-à-dire, le serveur DHCP, il va donner 100 adresses IP, ouais, comprises entre 101 et 200. Okay. Ce choix, c'est moi qui l'ai fait. De façon complètement arbitraire. J'aurais pu dire de 50 à 120. J'aurais pu. C'est moi qui l'ai choisi de 101 à 200. Simplement, ça respecte les deux règles TCP/IP. Tous les ordinateurs postes de travail vont tous être dans le même numéro de réseau. Donc, ils vont communiquer ensemble. Et l'adresse IP qu'ils utilisent n'est pas prise par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un autre ordinateur qui l'a. Le routeur, il est assujetti aux mêmes règles. Simplement, est-ce que le routeur, c'est un client DHCP? Donc déjà, je sais que son adresse IP, ce n'est pas le DHCP qui va lui donner. Donc son adresse IP, il ne faut pas qu'elle soit entre 101 et 200. Oui, voilà, donc elle est en dehors. C'est exact. Okay, laquelle on prend en dehors? Je n'avais pas compris. Laquelle on peut prendre? Ben, j'ai le choix entre l'adresse de 2 jusqu'à 100. Parce que celles-ci, elles ne seront pas données par le DHCP. Et je peux aller à 201 jusqu'à 254. Il faut que j'en prenne une dans tout ce qui reste. Dans tout ce qui reste. Ok. C'est tout. Donc, d'où ça sort? De mon esprit torturé. C'est de là que sort le 254. Je dois vous avouer que je le fais exprès pour vous obliger à refaire ces calculs. Parce qu'on va vous les demander. Lors du titre, on pourra quand même... on ne fera pas ça de tête, on pourra quand même dessiner le tableau. Vous avez droit au papier et au crayon? Oui, vous y avez le droit. Vous avez droit au papier et au crayon? Vous avez droit au papier et au crayon? Tout à fait. Pour un cas comme celui-ci, j'espère bien qu'à la fin de la formation, tu n'en auras pas besoin. J'espère aussi. Parce que celui-là, c'est un cas facile. Les trois masques classiques, le slash, ça c'est slash combien que je vous donne? 24. Slash 24, le slash 16 et le slash 8, numéro de réseau, première adresse IP, instant, tout est instant dans votre tête. C'est facile. Numéro de réseau, en dessous des réseaux, il n'y a que des réseaux. Première adresse IP, tout au bout on met un 1. Broadcast partiel, il n'y a que des 255 partout. Et dernière adresse IP, à la fin, c'est 254. Point, instant. Voilà, j'espère que ça viendra à force de le faire. Là où il faut prendre le papier et le crayon, c'est si, je ne sais pas, dans le troisième octet du masque, je vous mets 240. Ouais. Bon, là, de tête, à part si c'est... Moi, je le fais de tête parce que ça fait 2000 fois que je l'ai fait. Mais vous, non. Papier et crayon, c'est bon. Vous prenez papier et crayon à ce moment-là. Mais au moins pour celle-là, j'espère que ça va venir facilement, que vous le faites et le refaites et le refaites. Et puis après, oui, ben c'est, ça devient facile. Il y a des chances que ce soit... plus complexe que celle-ci. C'est exact. Ouais. Je crois qu'il faut que tu enlèves le mot des chances. Enlève-le.
enlève-le. Et du coup, il vaut mieux se baser sur la logique la plus rapide. C'est le tableau, le camembert C'est la tienne. C'est celle qui est la plus rapide pour toi. C'est pour moi, aucune. Aucune, bah tant pis. Mais ça va venir. Bah, je sais pas, fais-en, tente des trucs. Tente des trucs. Entraîne-toi. Ouais. Et tu verras laquelle tu comprends le mieux. Parce que, je vous dis, les conversions binaires décimales. Moi, j'ai utilisé l'addition avec le tableau. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a d'autres méthodes. Allez chercher d'autres méthodes, il y en a peut-être qui vous paraîtront plus faciles. Il y a celle du diviseur, celui avec le plus petit diviseur. Moi, je ne la trouve pas pratique, mais... Le nombre magique aussi, j'ai vu. Le nombre magique. Le nombre magique. Ah, j'ai jamais compris, celle-là. Je n'ai pas compris. Bah, moi non plus, je n'ai jamais compris. Je sais pas, il nous sort 64, je ne sais pas d'où. Et... Non, mais il y a une méthode, mais moi, je n'ai pas compris ça. Mais parce que moi, j'ai un seul neurone... Bon bah ça y est, moi il a appris une méthode, il veut pas en apprendre une autre, hein, il est feignant. Bah oui, non, t'as raison. Non, il sait faire des additions, ça suffit. Faut pas lui en demander plus. Hein. Mais quoi ? Quoi ? Bah oui, des additions. Il y a un moustique. Mais quoi ? What the fuck ? Qui c'est qui a fait rentrer un moustique là ? C'est pas possible. Je crois pas, on est en décembre, et il y a encore des moustiques. C'est fou. C'est dingue ça. On est en 2025. Non mais le réchauffement climatique on y est, voilà. Mm-hmm. Maintenant, il y en a toute l'année, les moustiques, c'est fini. C'est fini. Allez, continuez de rouler au diesel. Ça fera plus de moustiques. Donc, ça a répondu ta question de d'où il sortait le 250. Ouais, merci voilà. Beaucoup parce que je t'ai perdu. Ah, t'as tombé. Ici, t'es à Paris. Ouais. Pour l'adresse, la deuxième carte réseau. Donc, sur une proposition de Manu, on va s'occuper de la deuxième carte réseau. Parce que là, il y a encore du rouge. Hein. Et on le sait, si c'est rouge, c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas fonctionner. Alors, juste avant toute chose. Petite vérification comme ça, la confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que depuis votre serveur 1, vous pouvez essayer de pinguer la carte du routeur que vous venez de configurer ? Donc mon serveur 1, si je lui fais ipconfig, il est en 192.168.x.1. Si tout va bien, j'essaye de faire un ping de... Quelle adresse ? 192.168.x.1.250. Non, c'est 254, l'adresse du routeur. Ça marche, oui. Ah, alors j'ai écrit ping ping. Ching ding ping. Ah, je crois que j'ai mon... C'est des couilles. Oh là, il est fatigué, mon... Ça marche. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ping. Ça ping. Tout va bien. Ça veut dire que de mon serveur 1, ça ping le routeur. Ah, si ça ping pas, c'est pas normal. Ah oui, j'ai pas mis on. Vérifiez bien que vous avez les deux triangles verts à la sortie du routeur. Attends qu'il soit vert. Oui, je fais une capture d'écran. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ping pas ? Le G, ça ping pas ? Alors, voyons voir. Où il est le G ? Elle est où la poulette ? La poulette à GG. Hop. Alors. Est-ce que tu peux aller voir ton routeur, s'il te plaît, pour vérifier quelle adresse IP t'as mis dessus. Tac. Sélectionne ta première carte. T'as mis. Et bah oui, elle est là, la poulette. Chère communauté. La lecture. Est-ce que tu peux me lire l'adresse IP de ton routeur, s'il te plaît. Voilà. Ah, là, c'est mieux, ça, je pense. La lecture. Ah, ça ping. Eh oui, de gauche à droite et de haut en bas. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça ping pas ? Ça ping ? Donc sur une proposition de Manu, il y a une deuxième carte réseau sur mon routeur. Eh oui, l'autre réseau. Eh ben même chose. Sur ce routeur-là, ma deuxième carte réseau, évidemment, bah faut la mettre sur on, hein, comme tout à l'heure, et il va falloir lui mettre une adresse IP. Je vais vous demander exactement la même chose. Est-ce que sur cette carte réseau, vous pourriez me mettre, s'il vous plaît, la dernière adresse IP possible pour le réseau de droite ? J'en sais rien, moi, je connais rien d'adresse IP. Comme ça, hop, doigt mouillé. Proposition de doigt mouillé, alors. Monsieur ? Je vous écoute. 10.1.x, c'est ça. Bon, bah donc moi c'est 29. 255.254. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-propositions ?
ça marche. Parce que moi, c'est 29, mon X. Oui, oui, non, mais... Je sais, vous avez du mal à vous y faire, mais... Je devrais peut-être mettre 69, plutôt. Ouais. C'est un moyen... Si t'en souviens, peut-être plus. Ça pigne. Enfin, ça marche. Ça pigne, c'est normal, parce que marcher, c'est pas possible. Oh, ah, tu le fais exprès. Même pas. Même pas. Tu fais même pas exprès. C'est bien passé ton rendez-vous hier? Non, c'était vendredi. Ah, bon, ça s'est mal passé hier, alors. Donc, hier, c'était pas fou. C'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. Christophe? Oui, bonjour. Christophe, enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans le serveur DHCP, on exclut cette adresse IP au cas où si il la donne un jour ou... Bah c'est impossible. Ton serveur DHCP, il te donne des adresses de 101 à 200. Ouais, effectivement. Bah 254, il pourra jamais la donner, donc non. Si c'était dans la tranche, on aurait fait ça. On aurait pu faire ça, oui, on aurait pu le faire. Mais c'est pour ça, si tu veux, que moi j'aime bien utiliser la dernière possible, parce qu'en général, elles sont jamais dans les étendues DHCP. Okay. C'est rare que les étendues, ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et même si ça allait jusqu'à la fin, il suffirait que dans ton étendue, tu l'arrêtes à 253. C'est idiot si tu veux. C'est idiot de faire une étendue qui va jusqu'à 254 et exclure 254. Ouais, tu l'arrêtes avant. C'est plus simple. Mais voilà. Imaginons que dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, ils ont décidé que les routeurs, leur adresse, c'était 150. Alors, pile au milieu de l'étendue. Donc dans l'étendue, il faudra l'exclure, effectivement. Ça peut être ça. Il y a d'autres contre-propositions, parce que là, moi, j'ai noté la sienne, mais... j'ai... Lui, il a... Petit rappel, la technique, ça a été doigt mouillé. Hein. C'est ce que t'as dit? T'as dit que t'avais fait au doigt mouillé? T'as menti. J'ai gardé le masque et tout. Ah. T'as fait des calculs, quand même. Ouais, hein. Ah, finalement, le doigt mouillé... J'ai gardé le masque. Je suis bloqué. Tu es bloqué. Mais d'avant, moi. Je suis pas avec vous, là. Oui, bah je t'écoute. What is your question? Je sais pas pourquoi, mais mon DHCP, il était pas save. Bon, bah, je sais donc, pas du coup, non je plus. Donc, du coup, je l'ai retruqué, mais sauf d'accord. Que le problème, c'est que dans ma config, quand je mets... Ah non, mais est-ce que tu peux retourner, s'il te plaît, dans le setting de ton service, voilà. Ah oui, c'était celui-là, d'accord. J'avais pas bien vu, excuse-moi. Donc c'est bon, oui. Et donc, vas-y, c'est quoi ton problème? Eh bien, mon problème, c'est okay. Que là, ça me met une adresse... ça me met une adresse à pipa. C'est normal. Ah mais oui. Règle numéro 1 des serveurs. Oui, fais chier, connard. Putain, tu m'emmerdes à avoir tout le temps raison. Eh ouais. Je te rassure, hein, à la maison, j'ai tout le temps tort. Il n'y a qu'ici. Hein. Arrête de me donner des raisons d'avoir raison. Pourquoi tu l'as mis en DHCP? Ferme pas. Statique, c'est un serveur. Tu dois lui mettre une adresse IP fixe au serveur. Oui, ta gueule. En plus, tu l'as écrit dans ton schéma. Non, c'est pas bon. Oui, parce qu'il fallait que je mette un. Oui, il fallait que tu mettes un. Je te vois faire des bêtises. Mmh. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Tu peux tout fermer, c'est bon. Le serveur est revenu à la vie. Ok, du coup, pour pinguer, il faut que j'aille là. Ah ben oui, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles là. Et on peut tenter le ping. Enfin, je voulais voir d'abord si... Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, tu as tout à fait raison. Okay. Ça fait jamais de mal de faire un petit IP config. Ouais. Et du coup, je dois pinguer mon routeur. Dont l'adresse IP est combien? 192.168.254. Correct. It's a reply. Merci. Hello, the router is alive. Ouais. Tout va bien. Ok, parfait. Alors par contre, si tu me dis que le DHCP s'est retrouvé sur off, etc., je n'ai aucune explication rationnelle à t'apporter. Ouais, je sais pas pourquoi. Ton deuxième serveur, il est toujours DHCP on, il est toujours bon lui? Et tu vas sur service. Service. DHCP on. Oui, il est toujours bon lui. Ouais. Et si tu vas dans l'onglet config, l'onglet d'à côté, tu descends jusqu'à Fast Ethernet 0, ouais, il a toujours son adresse IP. Ouais. Je sais pas. Jusque là, tout va bien. Alors c'est très étonnant parce que le serveur qui est en 192.168, c'est le premier qu'on a monté. Bah, ouais. C'était tout début du DHCP. Mmh. Donc, je vois pas.
pas. À moins qu'il y ait eu la lutinerie, ça s'appelle. Alors, on peut imaginer le sabotage aussi. Si t'es parti, t'as laissé ta session ouverte. Jamais. Un petit malin dans la salle. Oh, c'est ouvert. Tac, on va lui saboter sa matière. Ils sont là-bas, les malins. Ils sont là-bas, là. Ouais, non, mais c'est la Olivier Corporation, on les connaît, les deux, là. Ah, non. Le gang des hauts. C'est plus loin, là-bas. C'est plus loin. Ouais. C'est juste derrière. Au fond, le G, là. Ah, le G, on le voit là, un petit malin là, il est au fond, il surveille tout le monde, il scanne le réseau en permanence. Ah, il voit tout, c'est l'œil de Sauron. Hein. Il voit tout. C'est l'œil qui voit tout. Ah. Alors, ben, j'ai pas les autres contre-propositions, parce que pour l'instant, il n'y a que le haut qui a fait sa propale. Est-ce que quelqu'un a une autre adresse à proposer, comme dernière adresse possible pour le réseau de droite? Pas de contre-proposition, tout le monde est d'accord avec Dos Mouillé. Faut même que ça marche un jour, le Dos Mouillé. C'est le côté commercial, t'as vu. Ouais, c'est ça. Bien joué. C'est effectivement la bonne réponse. Donc je vais vous demander de faire la même chose. Vous mettez l'adresse IP sur le routeur, la deuxième carte réseau du routeur, pardon. N'oubliez pas de la mettre sur ON. Et on va faire le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire, depuis le deuxième serveur, vous faites un petit tour dans l'invite de commande, et on va faire un petit ping de... Ah, bah, j'ai pas fait OK. Ah oui, mais je crois que moi, je l'ai pas du tout configuré, le deuxième routeur, le deuxième serveur. Je crois que... Ah bah oui, j'ai rien fait. C'est peut-être pour ça... Je vous dis de faire des trucs, mais je ne les fais pas. Hop, hop. Et avec une adresse IP, c'est tout de suite mieux. Il faudrait peut-être... Allez, je vais faire le DHCP aussi. Eh ben ouais. Alors, dis... Voilà. Donc la question est, est-ce que ça ping ? Moi, il a planté, du coup ça ping. Ah, qu'est-ce qu'il a planté ? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a figé et puis il s'est fermé? Il a affiché une fenêtre avec un gros point rouge et puis paf! Ça a fait des chocs. Et ça a fait des chocs. Et donc là, bah, t'en es où alors là? T'as dû tout refaire? Ah bah faut que je refasse tout. Mais tu... même le fichier que t'avais sauvegardé, il y est plus? Si, celui que j'avais sauvegardé hier. Ah bah voilà! Donc t'es... Ah oui, donc faut que tu remettes le routeur. À gauche, on prend le premier, tac. Ça ping pas, non. Ça ping pas? Non. Bon, le temps que le GG y remette en place, voyons voir. Alors, monsieur, voilà. Bonjour, ça... Alors, ça ping ou ça ping pas? Non, ça ping pas. Il est où le M? Alors, elle est où la poulette à M? Voyons voir. Je vais sur mon routeur. Oh bah évidemment que je veux que tu ailles sur ton routeur. Tac, là, ma première carte. Là. Qui est 255, ça a l'air cohérent. Serveur, tu vois. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux faire ipconfig s'il te plaît? Et ben voilà, elle est là la poulette. Okay. Chère communauté. Parce que ton numéro à toi, c'est 13. Non. Bon. Donc fais attention, hein. Tentative d'usurpation de numéro de réseau. C'est le mien. Alors, c'est bien de bien s'entendre avec ses voisins, d'être fusionnel, de s'entraider. Hein. C'est très très bien l'entraide, hein. C'est ce que vous devez faire. Mais faut pas aller jusqu'à voler les numéros des voisins. Hein. Si je vous ai donné des numéros différents, c'est peut-être pour que justement, il n'y ait pas de... De vol. Ah, c'est mieux. Eh oui. Je prends
Voilà. La lecture. Exact. Ouais, c'est mieux, ça aide. Bon, bah, c'est bon tout ça. Alors, le GG, qu'est-ce que ça donne? J'arrive. Ouais, tu vas tout me faire en accéléré. Ouh, ouais, alors, ben, je sais pas. Ça avait l'air pas mal. Attends. Tu peux retourner sur ton routeur, ton serveur, me montrer le ping que tu faisais là? T'étais sur celui-là? Ah, bah oui, mais là, il y a un problème. Non, t'es sur quel serveur là? Sur celui-là. Celui de droite. Ah, je me suis trompé. Tu pings quelle adresse là? Non, je me suis trompé. Oui, effectivement, tu t'es trompé, oui. C'est mieux. C'est mieux. Et celui qui est de l'autre côté, il pingait aussi? T'avais fait le test? Pas, ok. C'est lui qui amène. Ça ping. Oh, c'est beau. Et comment c'est déconcertant de faciliter ces trucs, t'as vu? T'as mis combien de temps pour le refaire? Une minute? Même pas une minute, c'est vrai. Encore, parce qu'on a vérifié avec les ping. Mais tu mets les adresses, ok, fini. 30 secondes, c'est réglé. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? C'est good? Ouais. Parfait. Donc, je vais vous demander de faire un petit essai maintenant. Est-ce que vous pouvez partir du serveur 1, hein, le serveur qui est à gauche, et vous allez essayer de pinguer l'adresse du serveur 2, c'est-à-dire normalement 10.x.0. Et normalement, ça ping pas. Pourtant, il y a bien un routeur dans le réseau. On a un routeur qui est configuré. Alors déjà, première vérification, est-ce que c'est correct pour tout le monde? Depuis le serveur 1, vous essayez de pinguer le serveur 2 et ça ping pas. Si vous essayez l'inverse, c'est pareil. Hein. Le 1 ping pas le 2, ça change rien. Et ben c'est normal. C'est parce que vous avez mis un nouveau routeur dans le réseau. Comment est-ce que le serveur 1 sait qu'il y a un nouveau routeur? Mais il n'a pas de globe oculaire, hein. Il n'a pas des oreilles, il lit pas les pensées. Le serveur 1, il n'est pas capable de lire un plan, hein. De voir que vous avez mis ça en plus. Il va donc falloir lui dire. Il va donc falloir modifier la configuration de votre serveur 1. Dans config, vous avez un petit dossier, un paramètre qui s'appelle setting, et dedans il y a écrit default gateway. Je vous rappelle que gateway, c'est un synonyme de router. Vous devez donc écrire ici l'adresse IP du router que doit utiliser le serveur 1. C'est donc 192.168.x.254. Hop, je vais essayer toujours. Là. Du coup, c'est pour qu'ils communiquent ensemble? C'est pour qu'ils sachent que l'un et l'autre est là. Non. Là, tu veux dire remplir ça? Remplir default gateway, ça veut dire que je dis à mon serveur 1 que dans son réseau, il y a un routeur. Et que s'il a besoin de le joindre, voici l'adresse IP du routeur par lequel il doit passer. Okay. Je vous rappelle l'objectif d'un routeur. À quoi ça sert un routeur? Ça permet à des ordinateurs qui sont dans un numéro de réseau de communiquer avec des ordinateurs qui sont dans un autre numéro de réseau. C'est exactement ce que vous avez fait dans le ping. Vous êtes sur un ordinateur qui est dans le numéro de réseau 192.168 et vous avez essayé de pinguer un ordinateur qui est dans le réseau 10. Ce n'est pas le même numéro de réseau. Donc, on doit passer par un routeur. Et donc, dans la configuration du serveur 1, vous mettez comme adresse de default gateway. On traduirait routeur par défaut, hein, si on devait le traduire en français. Adresse IP du routeur par lequel tu dois passer pour atteindre des ordinateurs qui sont dans un autre numéro de réseau. Donc c'est 192.168.x.254. C'est l'adresse qu'on avait mise. Et ça marche? Pardon?
Là, c'est pas mal. La moitié de fait. Ça fonctionne. Et ça marche toujours pas. Hein. Non, ça marche pas. C'est moi, j'aimerais tellement qu'un jour j'ai des stagiaires qui viennent de Boston Dynamics qui pourraient me dire si, ça marche. La première requête que j'ai faite, il m'a mis qu'il a perdu 25%. Je le refais, il a perdu 0%. Non, mais c'est le temps qu'ils se chauffent, les routeurs. D'accord. Les routeurs Cisco, c'est des diesels. Faut le temps, il faut les laisser chauffer un peu avant qu'ils fonctionnent. Et donc faites très attention aux pièges. Petit rappel, un ping, ça s'en va et ça revient. Si vous refaites votre ping, ça ne fonctionne toujours pas. Il faut le faire sur l'autre. Et oui, bien évidemment. Lorsque je fais mon ping, eh bien, il va partir du serveur 1. Le serveur 1, vous l'avez configuré l'adresse de sa passerelle par défaut. Donc, il sait, le serveur 1, il sait qu'il faut qu'il passe par le routeur. Donc, le paquet ping, il va traverser le routeur, il va arriver au serveur 2. Mais le serveur 2 doit répondre. Il doit répondre au serveur 1. Le serveur 1 n'est pas dans le même numéro de réseau que le serveur 2. Sauf que sur le serveur 2, est-ce que vous avez configuré la passerelle par défaut ? Non. Et ben donc il faut le faire aussi, bien sûr. Sur votre serveur 2, il faut aller au même endroit, dans config, dans global, dans setting. Attention bien sûr, la passerelle par défaut à configurer, c'est l'autre adresse du routeur. Sur le serveur 2, dans global, dans settings, dans default gateway, vous mettez l'adresse IP du la deuxième carte réseau. Donc. Ça marche. C'est impossible. Cela fonctionne. Dans un sens comme dans l'autre. Salut Link. C'est bon. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ping pas ? C'est bien, ça ping pour tout le monde. Moi, je crois que ça ping pas. Ah. Je refais un test de mon côté pour voir quand même. Vas-y, refais des tests. Faites attention, n'oubliez pas ce qu'a dit Olivier. Ce que j'ai dit à Olivier, hein, c'est que le ping, il met un petit peu de temps. Il faut que le routeur s'échauffe. Et là, ça ping depuis le serveur 2. Magnifique. Le serveur 2, il ping le serveur 1. Oh là là. Moi je dis, c'est beautiful. Donc ça veut dire que quand tu fais une fusion d'entreprise, on rajoute certes le routeur, mais on va quand même aller voir tous les serveurs existants et on va aller dans le gateway. Il faut leur dire qu'il y a ça. Au moins ça. Il faut quand même faire une intervention. On n'a pas besoin de s'occuper des clients. Ah bah ça dépend. Logiquement pas. Comment ça marche ? Il n'a pas eu le temps, ça n'a pas marché, mais bon ça marche. Ça n'a pas de jambes, mais ça marche quand même. Bah j'aimerais bien voir ça, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas ? Vos deux serveurs se pingent ? C'est Green ? Non. Non ? Non ? Ah. Ça ping pas chez l'eau. Alors. Ok, la poulette. Alors, serveur 2. Non. Alors par contre, excuse-moi, tu peux recliquer là ? Non mais... Non. Est-ce que tu peux recliquer sur ton serveur 2, s'il te plaît ? C'est normal que son adresse IP, ce soit 10.2.29.1. Je vois ça et je m'en étonne, si tu veux. Tu me vois étonné ? Oui. D'accord ? Mais... Non, mais alors, ça c'est ce que t'as écrit, ça c'est que du texte. Oui, mais c'est vraiment l'adresse que t'as mise ? Oui, c'est là que vient la boulette. C'est vraiment que... J'ai noté ça d'abord. D'accord. Non mais,
Mais c'est pas grave, mais t'es resté dans ta logique. Ça veut dire que... D'accord. J'ai mis non, non, mais c'est bon, je dis pas que c'est faux. Hein. C'est pas juste non plus. C'est pas... Bon, c'est pas ce que j'avais demandé, mais bon, c'est pas grave. Ça fonctionne. Non, mais ça montre bien que vous pouvez mettre autre chose. Moi, je veux la dernière adresse IP de la plage. C'est tout. T'es pas obligé de le faire. Si tu souhaites pas faire ce que j'ai demandé, bah, c'est pas grave. Du moment que c'est logique et que t'as mis ça comme adresse IP de routeur et que t'as mis ça dans la default gateway du serveur, c'est bon. Ça, bah, la preuve, ça ping. Dans un sens. Mais peut-être c'était pas chaud. Ah, c'est pas possible que ça ping que dans un sens. Parce qu'un ping, ça s'en va et ça revient. Donc si ton serveur 1 ping ton serveur 2 et que le ping revient, ça veut dire que le serveur 2 ping le serveur 1. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Hein. On va attendre que ça chauffe. Attends, laisse chauffer le routeur. On ne peut pas répondre à Link. Je ne peux pas. Je peux dire oui. Pardon ? J'ai demandé si c'était slash 16 à droite. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu le chat. Oui, correct. Link, c'est slash 16 à droite, oui. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est pas normal. Alors, est-ce que tu as bien mis... Non. Enfin, oui. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît ? Ouais, ça marche. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît ? Sur le serveur 2. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase ? Sur le serveur 2. Mais est-ce que j'ai commencé par dire ? Okay. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1 ? Fais ipconfig, ça veut dire... Fais ipconfig. Vas-y, écris ipconfig. Maintenant. Merci. Ah ouais, bah non, bah effectivement, alors t'as pas du tout fait ce que t'as dit. L'adresse IP du serveur 2, c'est 10.2.0.1. Alors que t'as noté 10.2.29.1. Donc il faut que tu pinges la bonne adresse IP si tu veux que ça fonctionne. Non. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, faut que tu retournes sur ton serveur 1 maintenant. Là, sur le serveur 1, run. Voilà, t'arrivais pas à pinguer 10.2.29.1, c'est normal. Cette adresse n'existe pas. Aucune de tes machines a 10.2.29.1. L'adresse IP du serveur 2, c'est 10.2.0.1. Voilà, quand on ping la bonne adresse IP, ça fonctionne. Alors, c'est une bonne confirmation. Si vous pinguez, enfin si vous essayez de pinguer une adresse IP qui n'existe pas, il n'y a personne qui répond. C'est validé. Alors que quand on ping l'adresse qui existe, ben ça fonctionne. Mais dans config, il avait mis 29. Donc c'était pas... Non, il y avait écrit 0. Ah, alors excuse-moi, c'est moi qui ai mal vu. Non, là, voilà. Là il y a marqué... Stop. Ah oui, c'est le... Il faut lire de gauche à droite et de haut en bas. C'est à gauche où il y a écrit default gateway. Mmh. Par contre, est-ce que tu peux aller dans interface, fast Ethernet 0, s'il te plaît, Olivier ? Non, ferme pas. Descends, interface, descends, là. Encore une ligne, là. Il y a bien écrit 10.2.0.1 en face de IPv4 adresse. La lecture. Toujours pareil. Ah, c'est chiant, hein. Il faut lire au bon endroit. Donc là, c'est un très bon exemple. On voit que au niveau de l'adresse IP de son serveur 2, il a mis 10.x.0.1 comme j'ai demandé. Par contre, au niveau du routeur, il a choisi une autre adresse. C'est pas grave, ça fonctionne quand même. Il y a aucun problème. Il faut juste que ce soit cohérent et que ça ping. Ben, ça ping, hein. C'est bon. Son routeur, il est en 10... Alors, je ne peux pas le changer. Ah bon, tu changes tout alors ouais. Bon, enfin, peu importe, c'est tout à l'heure, il l'était. Voilà, ton routeur, il était en 10.2.29.254. Et ça pingait quand même. Y a pas de... Pourquoi ? Parce que les deux règles TCP/IP étaient respectées. Son routeur et son serveur 2 étaient dans le même numéro de réseau. Et aucun des deux n'utilisait une adresse IP déjà prise par quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de conflit d'adresse IP. Tout va bien. Ça fonctionne. Ça ne respecte pas le cahier des charges, mais ça fonctionne. C'est là où vous voyez, moi je vous demande la dernière adresse IP, c'est complètement arbitraire. Il n'y a aucune problématique technique. Il n'y a aucune obligation. À part vous faire chier. C'est ma seule obligation. Oui ? Dans un routeur, finalement, on va avoir autant de cartes réseau que de numéros de réseau différents. Alors, non, on peut faire des choses plus compliquées et on pourrait avoir plusieurs numéros de réseau sur la même carte réseau. On va peut-être pas faire ça tout de suite. On va commencer pour l'instant avec cette règle-là. J'ai deux réseaux,
J'ai deux numéros de réseau différents, j'ai donc deux cartes réseau. Pour le moment. On va attendre après, sur les trucs un peu plus compliqués, ce sera après. Sur une proposition de... Non, là, t'es allé trop loin d'un coup, là. Je peux pas le faire. Voilà, je peux pas le faire tout de suite. C'est un peu trop tôt. Mais sur une proposition d'Olivier pour plus tard, je le note. 10.2, oui, il a pas fait ce que j'ai demandé. Ah oui, bonne remarque, Link. Séance slash S, c'est pour ça que ça fonctionne. Si le réseau de droite, je vous l'avais mis en slash 24, ce qu'a fait Olivier, ça fonctionnerait pas. Parce qu'il serait pas dans le même numéro de réseau. Ça pingerait pas. Le serveur et le routeur seraient pas dans le même numéro de réseau, ils pourraient pas communiquer tous les deux. Très bien, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des problèmes ? Non ? Ça fonctionne bien ? Nickel ! On va pouvoir aller fumer du café ? Ouais. Si on allait fumer du café ? Vas-y. Ça vous va ? Vas-y. Ça va le routeur ? C'est facile ? Pour le moment. Pas de questions ? Pour le moment. Mais si vous avez pas de questions, c'est que vous avez compris, hein ? Ah si, ah quand même, merde ! Donc ça veut dire que les routeurs partent chez nous dans notre box, oui. Dans notre box, c'est un routeur et c'est... un switch. Et un serveur DHCP aussi. Et un DHCP, oui. Ah, ça fait plein de choses, hein. Oui. Alors, après, ça dépend de ta... C'est pour ça qu'on comprend rien au départ. Enfin, quand moi, je m'amusais à bidouiller, je voyais plein de trucs, je dis, mais... Ah bah oui. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un métier. Oui. C'est un métier, puis il ne faut pas trop faire n'importe quoi. Et encore, là, la box que tu viens de décrire, c'est juste une live box de merde chez Orange. Si tu as une free box, je te dis pas toutes les fonctions qu'il y a en plus, hein. On n'a pas fini, hein. Oui, je suis de mauvaise foi. Je sais. Bon allez, pause, il y a trois qui sont déjà partis là. C'est le lycée où c'était amusé à créer... Non, je lui dis pas, attends, je fais la pause, et ciao le live, à toutes.